Michel-Pierre Pontbriand, promotion 1999. J'avais raconté mes années au collège, lors de mon passage ici. Le volet sport et études était quelque chose qui était important pour moi. Puis c'était vraiment très, très enrichissant encore une fois. On dirait que je vais utiliser ce mot-là tout au courant de l'entrevue, mais ça revient à ça. Le sport et études hockey, j'étais un gars qui a été développé avec le sport. Je suis un athlète avant tout, soccer, baseball, hockey. C'est des sports qui m'ont. C'était mes sports préférés. Puis en venant ici au collège, on avait l'opportunité de pouvoir pratiquer un sport qui était vraiment mon sport préféré, le hockey. Puis par la suite, dans les corridors, j'ai rencontré M. Claude Brazeau puis M. Jean-François Larouche qui m'ont initié au sport du football. C'était très. Les intervenants, les éducateurs, tous le membre du personnel de l'école était très dynamique. C'était vraiment. On avait tout le temps de l'aide pour que ce soit dans n'importe quelle matière. J'étais dans un groupe Atlantis, puis ça faisait en sorte que. C'est sûr qu'il y avait une charge de travail qui était quand même importante, mais étant donné que je faisais beaucoup de sport, puis que j'avais quand même beaucoup de temps dédié à mon sport, bien, la compréhension des éducateurs dans l'école et du monde du personnel m'a facilité la tâche pour pouvoir exceller puis pouvoir compléter mon stage au secondaire ici au Collège Charlemagne, puis en même temps m'épanouir sur le terrain de football puis sur la patinoire au hockey. Mon souvenir indélébile, c'est vraiment quelque chose qui est spécial pour moi, puis j'en parle encore avec des amis que je me suis fait ici au fil de mes années au secondaire au Collège Charlemagne. C'est lorsqu'on j'ai commencé ma première saison de football, j'étais avec coach Brazeau, coach Larouche. Pendant toute la saison, étant donné qu'on avait un programme qui débutait sur la Rive-Sud, on n'était pas une équipe qui était très performante sur le terrain. On était une gang de gars qui commençait à jouer au football en général, dont moi puis certains autres coéquipiers. Puis on n'était pas beaucoup. Pendant la saison, on a quand même mangé beaucoup de volets. Puis ça nous a donné du bon caractère. Mais au fil de la saison, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'est rendu en demi-finale contre les Cactus de Notre-Dame. Puis l'autre côté, l'équipe était à peu près 55-60 joueurs. On s'est présenté à 18 joueurs contre les Cactus sur l'île de Montréal. Puis bout de la ligne, on a gagné la partie. Fait que c'était quelque chose qui était vraiment intéressant pour nous. C'est des souvenirs mémorables. Ça nous a démontré notre force de caractère. Ça nous a démontré que quand on veut, on peut. Puis c'est sûr que les coachs ont une grande partie là-dedans, étant donné qu'ils ont utilisé de la motivation extrême avec nous autres. Puis ça nous a permis aussi de pouvoir se développer un esprit de camaraderie puis de comprendre que lorsqu'on travaille en équipe, c'est vraiment là qu'on peut atteindre nos objectifs les plus hauts puis nos sommets inespérés. Puis ça, c'est vraiment un souvenir pour moi qui va rester gravé à jamais dans ma tête parce que on a tellement travaillé fort durant cette partie-là. Certains joueurs, on est restés sur le terrain pendant les 60 minutes. Puis au bout de la partie, on était brûlés, on était vidés. Mais le sentiment de la victoire d'avoir battu un programme aussi important que le Collège Notre-Dame dans ces années-là. Puis je pense que c'était notre plus grosse victoire à nous autres en tant que jeunes joueurs de football. Mon cheminement de formation après mon passage au collège, je me suis rendu au Cégep Drompetit à Longueuil. Je joue au football là-bas, étudié en sciences humaines, profil d'administration. Par la suite, j'ai eu le privilège d'être recruté par l'Université Laval, Rouge et Or, où j'ai passé 4 merveilleuses années. Par la suite, j'ai joint les rangs professionnels avec les Blue Bombers de Winnipeg, où j'ai eu une belle carrière. J'ai eu le privilège de rester dans cette ville-là pendant toute ma carrière professionnelle. Puis, entre-temps, avec l'équipe Canada Junior aussi, puis l'équipe Canada Senior. Je suis revenu au collège Charlemagne. Lorsque j'ai terminé ma carrière professionnelle, je suis revenu dans la région de Montréal pour des raisons familiales, puis
J'ai téléphoné pour savoir s'il n'y avait pas de l'intérêt afin que je puisse partager mes connaissances puis tout mon apprentissage que j'ai eu avec au fil des années avec mon background en football. Puis ça a bien donné pour venir donner un coup de main ici avec les dynamiques du Collège Charlemagne à partir de septembre 2016. Puis c'était vraiment une expérience qui était très, très bien. Vraiment bien. Je me suis bien amusé, ça c'est sûr. La question est si j'ai trois mots qui me viennent en tête pour représenter le Collège Charlemagne. Mais je vais bien en être, j'en aurais une dizaine facile, sinon une vingtaine. Le mot discipline, c'est ici que j'ai compris avec mon football. La discipline est importante. Le mot passion, parce que le football, oui, j'avais des sports que je faisais, je suis un athlète de sport avant tout, mais le football m'a amené une passion indescriptible que je mange du football matin, midi, soir. Puis le dernier mot serait appartenance. Je suis quelqu'un qui est vraiment, qui va protéger les couleurs que j'ai défendues, qui va tout le temps prêcher pour la même paroisse. Puis c'est pour ça que mon identité avec le Collège Charlemagne, c'est indéniable. Puis c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi.